Les élèves du cours moyen première année et ceux du cours moyen deuxième année de la circonscription nord de Libreville ont baigné ce jour dans le Gabon profond, ce à travers des contes, des instruments de musique au rythme du vert jaune bleu. C'est pour initier donc les enfants, comme c'est les futures élites, qu'ils s'approprient cette culture pour perpétuer notre culture. Et donc c'est une association connexe à l'école. L'association des parents d'élèves du groupe Les Tchanguettes. Quels sont les rites et danses de chez toi? Captivé par l'orateur Michel Pécoin, le voyage dans le Gabon profond a été une partie de bonheur pour tous. Nous avons appris les histoires et les cultures. On m'a montré les continents, on m'a montré les cultures, on m'a montré ce qui se passait avant. Ce qui m'a marqué, ce sont les instruments. Je ne savais rien de l'art musical. Je ne l'avais jamais vu. Là, on était aujourd'hui surpris et surtout une surprise heureuse de voir combien ils étaient enthousiasmés de découvrir justement leur culture, notamment la culture de leur pays. Et donc, ils ont répondu favorablement, n'est-ce pas, dans l'interaction. Et mon souhait, c'est que tous les autres parents d'élèves de d'autres écoles peuvent penser à ce genre d'initiative, on gagnerait déjà justement. Parce qu'on dit, si nous voulons sauver une culture et la faire voyager à travers le temps, il faut qu'on la confie aux enfants. À l'heure où les valeurs culturelles semblent en perte de vitesse, l'association des parents d'élèves de cette école souhaite que cette célébration réconcilie les enfants avec leurs coutumes et traditions culturelles. Une initiative qu'elle entend rendre pérenne tout en espérant que celle-ci fasse école.